Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc on a continué les cours concernant la pharmacologie. On va pas parler de physiologie. On a terminé la physio. Donc comme d'habitude, commencez par un proverbe: never stop trying, never stop believing, never give up. Donc parasympathomimétique. Les cours concernant la parasympathomimétique, c'est-à-dire les agonistes de l'acétylcholine. Les agonistes de l'acétylcholine, on a des esters de choline et les alcaloïdes. Donc les esters de la choline sont l'acétylcholine. Rarement utiliser l'acétylcholine parce que c'est un médicament qui va hydrolyser par les cholinestérases au niveau sanguin. Donc il peut pas exercer leurs effets. La carbachol, c'est par le remplacement de l'acide acétique de l'acétylcholine par un groupement d'acide carbamique. Relativement, elle résiste aux cholinestérases, lentement hydrolysée et plus stable, donc utilisée dans le glaucome à angle ouvert. Donc, toujours l'utilisation locale dans l'angle ouvert, malgré qu'elle résiste. La bêta-nicol, c'est un médicament de l'ester de choline très, 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 très important parce que elle va exercer sur bladder and bowel, c'est-à-dire il va augmenter la motricité au niveau de la VC et au niveau du gastro-intestinal. Donc, pourquoi on utilise la bêta-nicol? Pour augmenter la motricité au niveau de l'intestin ou au niveau de la VC. En deux situations, soit on a une paralytique, ce qu'on appelle ileus paralytique post-chirurgical ou post-onorogénique, donc une paralysée de la musculature au niveau de l'intestin. Donc on va utiliser la bêta-nicol ou bien en cas de rétention urinaire, on va utiliser la bêta-nicol bladder and bowel. Donc on a terminé par les esters, on va parler des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes sont... Généralement, on a un qui est important, ce qu'on appelle pilocarpine. Cette pilocarpine est utilisée au niveau du glaucome. Le glaucome, parce que elle contient des propriétés muscariniques, elle va la muscarine, l'acétylcholine et la parasympathique vers une myosis, donc qui est nécessaire et va augmenter la diverse sécrétion salivaire et lacrymale. Donc, mais la myosis, c'est important au niveau de la glaucome. Soit à angle ouvert ou à angle fermé, pélocarpine utilisé dans le glaucome. Aussi, dans la dysfonction de glandes salivaires, ce qu'on appelle le syndrome de Sjögren ou xérostomie, je pense. Donc, syndrome de Sjögren ou le syndrome sec. Donc, on a une bouche qui est sec et un œil qui est sec. Donc, on va augmenter la sécrétion lacrymale, lacrimation par la pélocarpine. Donc, on est terminé par les parasympathomimétiques directs. On va parler des indirects que sont des inhibiteurs de l'enzyme cholinestérase, qu'on appelle anticholinestérasique à action réversible. Réversible, c'est très important parce que les irréversibles, ce sont des produits de guerre. Donc les réversibles sont généralement la physostigmine, il passe la barrière hémato-encéphalique, traverse la barrière brain, hémato-blood brain barrier, BBB. Donc il traverse la barrière hémato-encéphalique, ce qu'on appelle un proverbe qui dit physostigmine fixes atropine, c'est-à-dire lorsqu'on a un overdose de l'atropine, le physostigmine, c'est un antidote qui traverse la barrière hémato-encéphalique pour bloquer l'atropine. Donc la néostigmine, traverse la barrière hémato-encéphalique. Néostigmine, utilisé dans les atonies vésicales, l'atonie intestinale, c'est comme la bêta-choline. Donc, pour augmenter la motricité vésicale et la motricité intestinale. Utilise par os dans la myasthénie. Mais pour la myasthénie, c'est bien d'utiliser la péridostigmine parce que il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Donc péridostigmine, stigmine, ce sont donc regardez stigmine, néostigmine, physostigmine, péridostigmine, ce sont les stigmines, terminaison stigmine, ce sont des stigmines, c'est-à-dire inhibiteurs de l'enzyme cholinestérase. Donc, Androphonium, c'est un médicament oublié, mais c'est un médicament historique parce qu'il est utilisé pour le diagnostic de la myasthénie. Pour la maladie de d'Alzheimer, on a trois drogues, la dompézine, la rivastigmine et la galantamine. Donc, pour augmenter l'acétylcholine, pour traiter une maladie qui n'est pas
potentiellement on peut le traiter parce que sont comme tous les anticholinesterases. Thérazique augmente l'acétylcholine et on va augmenter l'acétylcholine au niveau de lobe temporal pour essayer de remember quelque chose. Mais je sais pas si une maladie d'Alzheimer peut pour être donc la maladie d'Alzheimer prévenir mieux que guérir parce que donner PZ, rivastigmine, galantamine peut donner quelque chose par l'augmentation de l'acétylcholine au niveau de lobe temporal, mais la question reste mais. Donc, l'organophosphorie, ce sont des inhibiteurs irréversibles, c'est-à-dire irréversibles, de l'acétylcholine estérase. Elle va bloquer l'acétylcholine estérase, elle va pas laisser jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort. Pourquoi donc cliniquement, donc il y a un organe phosphorique utilisé en deux choses, soit dans l'agriculture pour malathion et donc la malathion pour tuer des insectes, donc insecticides, ou bien utilisé dans les guerres des produits chimiques de les guerres dans la guerre, donc par comme le sarin et les autres gaz qui utilisent les organophosphorés pour tuer quelque chose, pour tuer les êtres humains, c'est pas quelque chose. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ce sont inhibiteurs irréversibles. Donc, elle va bloquer définitivement l'acétylcholine estérase. Il va augmenter l'acétylcholine et l'acétylcholine, elle va faire quoi? Elle va faire dimembles. C'est quoi dimembles? Diarrhea, urination, mucus, bronchospasme, bradycardia, emesis, lacrimation, sweating, and salivation. On a oublié un E ici, c'est excitation. Pourquoi? Parce que dimembles, diarrhea, urination, diarrhée peut tuer, non. Urination peut tuer, non. Mucus peut tuer, non. Bronchospasme peut tuer, potentiellement bradycardia, ou c'est potentiellement, mais excitation. Excitation, c'est quoi excitation? Donc l'acétylcholine, on a parlé l'avant-dernier que l'acétylcholine va fixer sur les récepteurs muscariniques qui va donner cette dimembles. Il va aussi activer la voie sympathique de sweating, c'est-à-dire du sueur. Il va aussi activer l'acétylcholine, la jonction neuromusculaire. C'est un M. Ce un M peut tuer. Pourquoi? Parce qu'elle va lier au niveau, elle va augmenter l'acétylcholine au niveau du muscle. Et le muscle va fatiguer, il va être bloqué. Et pourquoi? Si on bloque un muscle, on va mourir. Donc, c'est le fait, si on bloque le diaphragme, si on bloque le diaphragme, le muscle respiratoire, on peut tomber dans l'arrêt respiratoire et l'arrêt respiratoire, c'est la mort. C'est ça, la physiologie de la mort. Donc, comment on traite? Premièrement, on donne l'atropine. L'atropine, c'est un effet antimuscarinique. Donc, on va libérer la diarrhée, l'urination, mucus, bronchospasme, bradycardia, emesis, lacrimation, sweating, and salivation. Mais c'est pas grande idée pour débloquer le diaphragme parce que c'est un muscle. Nicotinique musculaire. Donc, on utilise le pralidoxime pour réactiver les acétylcholines estérases. Donc, elle va lever l'irréversibilité, mais, on tombe. C'est-à-dire, il faut administrer le pralidoxime avant les 6 heures, je pense. Donc, le plus tôt possible, parce que si on va attendre, donc, les choses deviennent irréversibles, on ne peut rien faire. Donc, déjà, c'est pas pour les convulsions oxygénothérapie pour traitement de l'état du choc, mais jamais, jamais oublier professeur alidoxime, parce que il va régénérer l'acétylcholine estérase, et lorsqu'on régénère l'acétylcholine estérase, on peut faire quelque chose, mais il ne faut jamais oublier la notion de temps. Temps is money, temps is life. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne, aider, aimer, partager. Et à la prochaine, Inch'Allah.